Bonjour, chers abonnés. Cette courte introduction pour vous remercier. Merci, il y a déjà eu près de 150 000 vues sur les deux précédentes vidéos de Christina. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Vous pouvez également m'écrire un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Pour être informé de nos prochains directs, je vous invite à vous inscrire sur neurosatis.fr. Tout de suite, le doublage de Christina. C'est tiré de la vidéo qu'elle avait fait en direct le 2 février 2022, une vidéo qui dure près de 3 heures. Donc vous allez avoir dans cette vidéo un premier extrait, puisque c'est un travail colossal que de tout traduire. Tout de suite, Christina. Also, in der Welt, in der wir hier leben. Le monde dans lequel nous vivons ici. Da... Ist es wirklich manchmal so, c'est vraiment parfois dass wenn wir in der Liebe sind, notre situation wenn wir qui est importante. Mit unserem Herzen verbunden sind, si nous sommes dans un état d'amour, dass wir dann, si nous sommes connectés à nos cœurs, Dinge tun, alors nous pouvons faire des die choses die Gesellschaft seltsam findet. Oder die man la société pourrait nous trouver très étrange. Aus der Sicht von den meisten Leuten nicht macht, weil man die einfach nicht macht. Ou du point de vue de beaucoup de gens, c'est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas. Unsere Gesellschaft ist ja notre société teilweise schon sehr von der Liebe entfernt. Est très éloignée de l'amour. Und all die also alles, was seltsam ist, tout ce qui est vécu comme étrange existiert auf der Erde, et qui existe sur cette terre das gibt es ja nur, weil wir einen Liebesmangel haben. N'est ainsi parce que nous wenn avons wir alle un manque d'amour. Mit unserem Herzen verbunden wären, si nous étions dann gäbe es tous connectés à nos einiges cœurs, an seltsamen Dingen gar nicht auf dieser Erde. Alors, certaines de ces choses très étranges n'existeraient pas sur la Terre. Darum fängt ja alles auch bei uns selber an. C'est pourquoi tout commence avec nous. Es ist zwar wichtig, was wir tun, c'est important. Aber was wir tun, ce que nous faisons est important. Und wie wir das tun, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Und wann wir etwas tun, et quand nous le faisons. Das hängt von uns selber. Cela dépend de nous. Also von unserem Bewusstsein. Cela dépend de notre conscience. Und wenn wir si nous ne sommes pas nicht mit unserem Herzen verbunden sind, connectés à nos cœurs, wenn wir nicht mit der Liebe verbunden sind, alors nous ne sommes pas connectés à l'amour. Dann machen wir andere Dinge, als wenn wir unsere Herzensverbindung noch haben. Alors nous faisons autre chose que ce que nous ferions si nous étions connectés avec l'amour. Und Liebe hilft am Leben. L'amour aide la vie. Also Liebe würde nie jemandem schaden. L'amour ne ferait jamais de mal à personne. Und also die so in den letzten das waren jetzt fast zwei Jahre. Au cours des deux dernières années, mit dieser seltsamen Geschichte, avec toutes ces choses sich dann überall erzählt hat, étranges qui se sont produites, avec tous les récits étranges qui ont été racontés, da sind ja dann viele beaucoup de mesures qui ont été prises Maßnahmen daraus entstanden, à cause de cela. Und viele Leute waren dann auch in der Angst und konnte nicht mehr klar denken. Beaucoup de gens étaient dans un état de peur et ne pouvaient plus und eigentlich penser clairement. Geht das ja nur, weil viele Menschen en réalité, cela n'a été possible schon sehr von ihrem Herzen parce que beaucoup haben. De gens se sont éloignés eux-mêmes de leur cœur. Also, wenn wir alle mit unserem Herzen verbunden wären, si nous étions tous connectés à nos cœurs, si nous étions tous wäre das gar nicht passiert, dans un état d'amour, dass unsere Gesellschaft alors notre société in einen solchen
verwirrten, ängstlichen Zustand gekommen wäre. Ne se serait jamais trouvé dans une situation aussi compliquée. Und wenn wir jetzt wissen, dass Et si in nous unserer savons Gesellschaft etwas nicht stimmt, que dans notre société il se passe des choses qui ne vont dann pas, können wir uns ja überlegen, wie wir das wieder alors nous pouvons réfléchir à la façon dont nous pourrions restaurer les choses, comment nous pourrions les remettre en ordre à nouveau. Und das fängt auch bei uns selbst an, cela commence aussi avec nous. Weil die Gesellschaft, die besteht ja aus lauter einzelnen Parce Menschen. Que la société est composée d'individus. Und das heißt, cela signifie die Gesellschaft, die ändert sich auch nur durch Menschen. Und darum fängt das bei uns selbst an. Que la société ne peut changer qu'à travers les individus, et c'est pourquoi tout commence avec nous. Also die Veränderungen, die wir gerne in der Welt sehen möchten, die müssen ja auch bei uns beginnen. Les changements que nous aimerions beaucoup voir dans le monde, ils doivent commencer par nous. Und in unserer ursprünglichen geistigen Heimat, et dans notre foyer spirituel d'origine, da sind wir alle in der Liebe. Nous sommes dans cet état d'amour. Und da gibt es was anderes gar nicht. Il n'y a rien d'autre là-bas. Also da ist, dort ist das normal. Und l'amour dort est würde un état normal. Sowas auch gar nicht geben. Also diese Verwirrtheit. Ces autres choses ne peuvent tout simplement pas exister. Und hier auf der Erde, comme cette folie compliquée. Sind halt verschiedene, ici sur Terre. Wesen inkarniert, Bewusstseine. Il existe des types de conscience très différents. Und darum sind ja manchmal einfach gewisse Dinge kompliziert. C'est pourquoi certaines choses sont compliquées parfois. Und es gibt und weil die Dinge hier c'est pourquoi certaines choses sont complètement à l'envers. Also darum sind gewisse Dinge ja auch verdreht hier auf der Erde. Ici est déformé. Weil es einfach Menschen gibt, die eben nicht mehr mit der Liebe verbunden sind. Parce qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement plus connectés à l'amour. Und wenn dann aber Menschen kommen, die si les gens viennent, immer noch mit der Liebe verbunden sind, à ceux qui ne sont dann verhalten die sich connectés ja à l'amour, anders als die Menschen, die ils se comporteront un peu différemment mit der Liebe verbunden sind. Que ceux qui veulent ne plus être connectés à l'amour. Und unsere Gesellschaft, alors notre société, die ist ja kollektiv schon sehr von der Liebe abgetrennt. Est dans un sens collectif très éloigné de la vie. Und darum kann es sein, dass Menschen, die in der Liebe sind, c'est parfois pourquoi dann Dinge machen, ces personnes qui sont die für die meisten Menschen in der Gesellschaft dans un état d'amour gar nicht gehen und irgendwie font des choses nicht gut sind oder nicht qui pour erlaubt beaucoup sind. De gens dans la société semblent être des choses impossibles que vous ne faites tout simplement pas ou des choses qui ne sont pas autorisées. Wenn wir in der Liebe sind, dann si nous sommes dans un état d'amour, tun wir nichts, was jemandem schadet. Alors nous ne faisons rien qui ne puisse aber unsere Gesellschaft, jamais blesser quelqu'un. Ganz viele Dinge, wo anderen schadet. Notre société, et je pense qu'elle est la preuve de beaucoup de choses qui nuisent aux autres. Und viele halten das auch für normal. Et beaucoup de gens und dann trouvent cela normal. Überlegt man sich das irgendwie auch nicht so. Et puis vous y pensez juste. Weil man dann halt denkt, das ist irgendwie einfach so. Parce que vous voyez que c'est comme ça. Also das ist wie mit Kriegen. C'est comme ça avec les lois, die sind par ja exemple. Nicht normal. Ce n'est pas normal. Das hat ja nichts mit uns Menschen zu tun. Cela n'a rien à voir avec nous, les êtres humains. Aber es gibt ja einige, die denken, ja, mais il y en a qui pensent qu'il y a eu des guerres depuis le tout début. Menschen sind halt so und
das ist irgendwie et que so. Les êtres humains sont tout simplement comme ça, que les choses sont ainsi. Aber das hat ja gar nichts mit der Wahrheit zu tun. Mais cela n'a rien à voir avec la vérité. Erstens sind Menschen von parce que d'abord, sich aus Liebe. Les humains sont also sie la vie basieren ja auf Liebe. Basée sur l'amour. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu et un commentaire que je lirai avec plaisir. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et retrouvez-nous sur neurosatis.fr pour être informé de nos prochaines émissions en direct. Soyez heureux et restez conscients.